Salut à toutes. Alors, je reviens pour le chip tag comme prévu. Et donc, je pense que vous connaissez le concept. Je vous présente tous mes produits préférés, mes versions pas chères. Donc, il y a certains produits que je n'ai pas. Par exemple, le mascara. J'en ai pas. J'ai pas de mascara pas cher. En fait, c'est vraiment un produit que j'aime. De bonne qualité et pour l'instant j'en ai pas trouvé des biens pas chers, donc voilà. Ensuite, en matière de fard à paupières, c'est une palette de chez Sleek, donc je pense que vous connaissez cette marque, elle est assez connue sur YouTube. Donc voici la palette, j'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui. Malheureusement les couleurs ne rendent pas vraiment bien la caméra, mais bon, voilà. Et celle-ci, c'est la palette qui s'appelle Oh So Special. Voilà. Et ça coûte, il me semble, moins de 10 euros. Ensuite, le fond de teint. Donc, c'est un de chez Bourjois. Et c'est le 1, 2, 3 Perfect. Voilà, qui je trouvais assez similaire au teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, sauf que celui-ci a un effet assez mat sur la peau et malheureusement il marque un petit peu les zones de sécheresse sur le visage, donc c'est un petit point négatif, mais sinon en règle générale il est vraiment très très bien et il a plusieurs actions. Il corrige les cernes, il a des pigments verts anti-rougeur, il a des pigments mauve anti-terre. Enfin bon, voilà, il fait quand même un rendu vraiment très joli. Et il me semble qu'il coûte environ 11 euros. Ensuite, le blush. Donc c'est de chez NYX. Il est comme ceci. Donc là, à la caméra, il rend assez corail, mais en vrai il est vraiment très très orange et c'est la couleur cinnamon, j'espère que je prononce bien cinnamon, donc je crois que ça veut dire cannelle en français. Et je l'adore, franchement il est magnifique, il est ultra pigmenté, il est vraiment magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il donne tout de suite bonne mine, un teint frais, réveillé. Et je crois que ça coûte 5 euros. Maintenant, vous pouvez trouver très facilement la marque NYX. Et voilà, franchement, si vous voulez un super bon blush pas cher, ça, c'est génial. Ensuite, en matière de poudre pour le visage, donc j'en ai pas d'exceptionnel. En fait, j'en ai une que j'aime bien, mais qui est pas génialissime non plus. Donc c'est la marque Prose, donc vous pouvez trouver cette marque chez Carrefour. Je l'ai quand même bien utilisée. Et voilà, c'est une poudre compacte qui n'est pas translucide. Ça donne quand même un petit aspect blanchâtre. Si vous n'aimez pas les poudres qui se voient, celle-ci elle n'est pas faite pour vous. Elle se voit en fait, voilà, ça complète le fond de teint. Mais moi j'aime beaucoup, elle matifie, elle donne un rendu plutôt naturel, donc voilà, je crois que ça coûte 5 euros peut-être, je suis pas sûre, mais je sais que c'est vraiment pas cher. Ensuite, le bronzer, donc je n'ai pas de bronzer de petite marque, j'en ai deux de chez Guerlain et ça me suffit amplement, donc j'en ai pas d'autres, voilà, désolée. Ensuite, le highlighter, donc je vous l'ai déjà présenté, c'est celui de chez Arc-en-Ciel, qui est sous forme de crème. Donc voilà, c'est un champagne que j'adore appliquer ici. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est super joli. Et vous pouvez aussi l'appliquer en tant que fard à paupières. Donc voilà, très sympa. Il y a un petit miroir dedans. Et voilà, voilà, celui-ci je crois qu'il s'appelle Bulle Rosée, mais je suis pas sûre. Mais voilà, ça coûte genre
15 euros, quelque chose comme ça. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc, allez voir. Ensuite, un vernis. Donc, c'est la marque Miscop. Donc, c'est une petite marque que vous trouvez facilement, genre à Tati ou Stokomanie, enfin ce genre de magasin. Donc, il est rouge comme ça. C'est vraiment un rouge super flashy. Mais franchement, je suis super étonnée parce qu'il tient super bien sur les ongles. Il est vraiment de bonne qualité. Il est assez brillant. La couleur, une seule couche suffit. Et vraiment, il tient super bien. Donc, celui-ci s'appelle comment? Je sais pas. Il n'a pas de nom. Mais voilà, c'est un rouge très 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 sympa, très vif. Qui fait assez chic finalement. Et voilà, c'est une marque que vous pouvez trouver très facilement et pour que dalle. Donc allez-y. Un rouge à lèvres. Donc je vous l'ai déjà présenté aussi, c'est de chez Sephora et c'est les petits crayons Jumbo. Donc celui-ci s'appelle crayon lèvres ultra vinyle. Et c'est comme ça. C'est super joli. Voilà, et ça tient tellement, tellement longtemps. Ça dessèche pas les lèvres, mais ça tient super longtemps. C'est vraiment super agréable sur les lèvres. Et moi, j'ai la teinte Strawberry Delish. Et il me semble qu'il y a un large choix de teintes. Et ça coûte moins de 10 euros. Ensuite, pour les parfums. Donc, vous connaissez les brumes corporelles de chez Victoria's Secret. Donc je trouve que c'est une belle alternative pour les parfums. Ça tient moins longtemps, c'est sûr. C'est de moins bonne qualité, c'est sûr. Mais je trouve que c'est super agréable, surtout pour l'été. Quand on a juste envie de se rafraîchir et avoir des petites notes parfumées comme ça, c'est très sympa. Donc moi j'ai le Love Spell qui sent la fleur de cerisier et la pêche. Et voilà, je trouve ça vraiment très pratique. Ça coûte 15 euros environ sur le site V-Inc. Je vous mettrai le lien aussi. Et sinon, là c'est vraiment un parfum qui coûte autour des 30 euros, il me semble, dans les parapharmacies. Mais je trouve que c'est vraiment de la super bonne qualité. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les Roger et Gaillet. Voilà. Qui ont des odeurs assez spéciales qu'on ne trouve pas d'habitude. Mais franchement, je les adore. Je trouve qu'ils tiennent super bien. Là, moi, j'ai le rose imaginaire. Qui sent certes la rose. Mais c'est vachement plus travaillé. C'est un peu fleuri. C'est un peu sucré. C'est un peu frais. C'est un bon mélange. Et je l'aime énormément et j'ai beaucoup de compliments sur l'odeur de ces parfums. À chaque fois, on me dit que je sens bon et tout. On me demande de la marque. Et voilà, je trouve que c'est des super bons parfums qui tiennent bien, qui sont pas chers. Et franchement, ce sont des parfums que j'apprécie énormément et que je rachète très souvent. Donc voilà, Roger et Gaillet. Donc voilà, j'ai fini ce tag, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, merci d'avoir regardé, bisous, ciao ciao.